Qu'en est-il du plaisir dans l'activité artistique? Voilà une bonne question, puisque le plaisir, c'est quelque chose qui est essentiel, qui va nous permettre de travailler plus, beaucoup plus loin que ce qu'on aurait pu imaginer dans un premier temps, dans une temporalité qui est qualitativement différente. Une temporalité longue, un travail de création ne se fait pas sur un temps court. Il va donc falloir, au sein d'institutions de soins, arriver à admettre que ce temps existe. Ce temps de la continuité, qu'en psychiatrie on connaît bien, on ne soigne pas en psychiatrie de façon rapide, courte et efficace. On le souhaiterait parfois, certains décideurs le souhaiteraient, mais ça n'est pas quelque chose qui se produit. Eh bien, de la même manière, lorsqu'on pratique une activité artistique, on est sur une temporalité où le déploiement de quelque chose va se faire, de quelque chose qu'on ne connaît pas au départ, qui est juste une aspiration. Un principe qui progressivement va prendre forme. C'est là que l'altérité qui est la nôtre, celle que nous hébergeons en nous-mêmes, va arriver à se montrer progressivement et qu'on va prendre conscience de capacités que l'on ignorait, que l'on va développer sa confiance. Car dans le plaisir, il y a un lien de confiance, confiance envers soi, mais aussi confiance envers les autres avec lesquels on travaille. Pensons à une activité comme le théâtre. C'est un lieu où la confiance se développe par l'intermédiaire du rapport entre deux corps, entre de multiples corps qui travaillent ensemble. Et cette enveloppe groupale est quelque chose dont on sait qu'elle a une valeur éminente du point de vue du soin. L'enveloppe de groupe, c'est quelque chose qui donne à la fois du plaisir corporel et qui va aussi permettre le développement d'une certaine confiance, d'une certaine assise psychique. Lorsqu'on travaille en parlant de plaisir, c'est quelque chose de très difficile à entendre, notamment pour les professionnels du soin. J'ai participé à de nombreuses reprises à des congrès et colloques où il était question du soin que l'on se donne à soi-même pour soigner les autres. Et j'ai pu constater à quel point les soignants avaient du mal à parler du prendre soin de soi en tant que soignant. Alors, parler de satisfaction ou de plaisir, c'est encore plus difficile. Et pourtant, cela fait partie intégrante du travail. La satisfaction montre que l'on peut être dans une certaine réciprocité par rapport aux personnes dont on prend soin, qu'on va recevoir aussi d'elles. Et dans le cadre du travail artistique, cette réciprocité, justement, peut se mettre en place. On n'est plus dans un rapport ordinaire, accompagnant, personne accompagnée, soignant, patient. On est dans un rapport entre personnes où chacun peut véritablement donner de ce qu'il est. Et c'est ça qui conduit progressivement à la découverte de soi à travers la confiance et le plaisir.